Salut, je suis Fidèle Mélodie, ton répétiteur de maison. Nous allons apprendre à lire haut aujourd'hui. À tout de suite. Leçon 2. Aujourd'hui, nous voyons la lettre O. Observe bien l'image et dis le nom de cette image. Si tu as dit une orange, bravo, c'est une orange. Maintenant, observe bien les autres images, nous allons dire leur nom. Ok, que représente alors cette image? Un élève, bravo! Et cette image? Une moto, très bien! Et celle-ci? Un vélo, bravo! Tu as tout trouvé! Ok, montre-moi maintenant les images où on entend O dans leur nom. Une moto. Bravo, on entend O dans moto. Tu as trouvé. C'est bien. Un vélo. Bravo, tu viens de tout trouver. C'est très bien. Maintenant, je te montre O. 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 Alors, fais la même chose, montre-moi O. Bravo, tu as montré tous les O. Maintenant, répète après moi. O. 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 Maintenant, lis tout seul pour me montrer que tu as compris. Bravo, si tu as pu lire tout, c'est bien. On reprend encore. O. 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 Bravo, maintenant lis tout seul pour me montrer que tu as compris. Super, tu viens de réussir. Maintenant, je vais t'apprendre à écrire O. Regarde bien le tracé. Tu as vu? Ok, pour faire O, on fait un trait oblique, on ajoute un rond et ensuite on termine avec une boucle. Ok, regarde bien le tracé. Et essaie sur ton ardoise plusieurs fois. Bravo, tu as réussi. Essaie maintenant d'écrire entre les lignes de ton cahier. Fantastique, tu as réussi.
Maintenant, regarde comment doivent se présenter les différents O dans ton cahier. Ok, essaie d'écrire O dans ton cahier dans les mêmes dispositions. Très bien, tu as réussi l'exercice. Si tu n'as pas compris, tu peux regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre. Maintenant, l'astuce, c'est de prendre une semaine pour bien apprendre à écrire et à lire haut. Allez, à très bientôt. N'oublie pas de sonner la cloche et de liker. Merci, abonne-toi.